15 nouveaux agriculteurs vont tenter de trouver l'amour grâce à la saison 19 de L'amour est dans le pré, qui débutera le 8 janvier 2024, sur M6. Gilles fait partie du casting, comme le précise son portrait, il a dû vivre une terrible épreuve. L'amour est dans le pré 2024 M6, sera diffusé pour la première fois le 8 janvier prochain. Trois soirées seront consacrées au portrait des 15 nouveaux agriculteurs. Deux femmes et 13 hommes, âgés de 26 à 69 ans, qui espèrent trouver le grand amour grâce à l'émission présentée par Karine Lemarchand. Gilles, dit Giou, qui habite dans la région des Pays de la Loire, fait partie de cette promotion. Portrait. Le candidat, âgé de 69 ans, est à la retraite depuis 4 ans. Mais pas question pour lui de rester chez lui, pantoufle au pied, devant la télévision. Gilles est un homme actif et continue malgré tout à s'occuper d'une petite partie de son troupeau le matin. Et l'après-midi, il profite de la vie avec d'autres activités. Il adore par exemple jouer au tru, un jeu de cartes local, ou aller se déhancher sur une piste de danse. Vous l'aurez donc compris avec lui, on ne s'ennuie pas. Gilles veuf depuis 19 mois. S'il a aujourd'hui le sourire, Gilles a vécu une terrible épreuve. Il y a 19 mois, le candidat a perdu son épouse Françoise, avec laquelle il était marié depuis 15 ans. Mais il assure, il est désormais prêt à retrouver l'amour. Une femme avec laquelle il espère rester toute sa vie. Son destin amoureux est donc entre les mains de l'amour et dans le pré, car il est difficile pour lui de faire des rencontres. Avec sa future compagne, il espère voyager et profiter de la vie, comme un jeune couple. Il ne compte pas mettre de côté sa vie sexuelle pour preuve, il se shoote pour monter au 7e ciel avec sa moitié. On essaye de faire pour le mieux, j'ai envie qu'elle revienne hein, s'amuse-t-il. Une sacrée personnalité,